Dis donc, Solem, pas le moment de baisser les bras. Ouais, bon. J'ai l'impression que c'est le moment, moi, pour toi. Ah, tu sais, Chalimard, il faut que tu relativises. Parce que là, tu vois la défaite avec tes yeux de perdant. Parce que t'es un loser, donc c'est normal. Mais je pense qu'il faut que t'apprennes à relativiser. Comprends-nous ? Ouais, mais je viens de me faire humilier, quand même. Hein ? Je me suis fait battre à la lutte par une meuf devant tout le lycée, là. Je fais comment pour relativiser, au juste ? Hein ? Vous, vous feriez comment, par exemple ? Vous devez avoir l'habitude. Par rapport ? Ben oui. On a dû vous charrier à mort depuis que vous êtes petit. Regardez, vous avez une tête de... Bon, je sais même pas, d'ailleurs. Vous êtes fringué comme un mec de la Beauce des années 80. Mais... Si on relativise, au lieu de vous voir comme un espèce de gros ringard un peu attardé, eh ben on pourrait très bien vous voir comme... Bah non, je vois pas. Désolé, ça marche pas. Comment il sait que je viens de la Beauce, lui ? Paps, Mams... Voilà, il faut que je vous dise un truc. T'es gay ? M'en doutais. Bon, bah c'est pas grave. Oh. Bon, ok, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas ça. Au contraire. J'ai rencontré quelqu'un. Oh. Elle s'appelle Geneviève. Elle est super. Elle a 45 ans. Et elle vit avec son fils de 5 ans. Il s'appelle Michel. Comme toi. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, hein, Paps. Mais je l'aime d'amour. Oh, ouais. J'ai envie de m'installer avec elle. Oh, non. Ils ont besoin de moi, hein. Elle, elle est au chômage, et le petit Michel, il a beaucoup de mal à aller à l'école depuis qu'il a plus qu'une jambe. Il faut que je sois là pour eux, tu comprends ça, Mams? Tu sais, Adam, tu vas l'user ta mère avec tes conneries, là, hein? Quelle connerie? Quelle connerie? Mais enfin, Babette, ton fils n'a pas eu son bac blanc. Il vient de t'exposer sa théorie sur la relativité pour que l'annonce de son échec scolaire paraisse relativement moins grave que son brillant avenir tout tracé avec Geneviève. Bon, te laisser avoir, quand même. Tu vas rester à la maison? Ouais. Il n'y a pas de petit Michel atrophié? Oh, mon bébé, c'est merveilleux! Oh, comme je t'aime! Eh ben tiens, eh ben tiens. Et ton fils vient d'avoir 5 de moyenne au bac blanc, c'est merveilleux! Oh. C'est merveilleux!